Chers amis, bonjour. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, voici un évangile spécialement destiné aux confinés. Car les disciples, eux aussi, se sont confinés chez eux, à double tour, non pour des raisons sanitaires, mais par peur, peur des persécutions et des violences. Mais voici que les disciples font une expérience étonnante. Et avec eux, les toutes premières communautés chrétiennes, lorsqu'elles se rassemblent comme nous aujourd'hui, le premier jour de la semaine, jour du Seigneur, jour de la résurrection. Car voici que Jésus vient, il est là, réellement présent au milieu d'eux, et il est là, réellement présent au milieu de nous tous. Il est là au milieu de la famille réunie pour prier. Il est là, présence mystérieuse mais réelle, au milieu de la communion qui nous unit. Et qu'est-ce que nous apporte le Seigneur Jésus? Que vient-il offrir à ses disciples, c'est-à-dire à chacune et à chacun d'entre nous? Premièrement, il vient offrir le cadeau renouvelé de sa présence fidèle au milieu de nous et qui appelle de notre part un acte de foi que nous pouvons d'ailleurs renouveler aujourd'hui. Oui, Seigneur, je le crois, tu es réellement présent au milieu de nous parce que nous sommes rassemblés en ton nom. Il nous apporte deuxièmement le cadeau de sa joie. C'est la joie de l'Évangile. C'est la joie de la rencontre avec le Seigneur, plus forte que tout, joie éprouvée ici par les disciples rassemblés. Troisièmement, le Seigneur nous apporte le cadeau de la paix, comme au soir de Noël, quand les anges annonçaient sa venue, parce que l'amour et la miséricorde du Seigneur chassent toute peur, toute crainte. Quatrièmement, le Seigneur nous offre le cadeau de son Esprit Saint. Christ a remis l'Esprit en mourant sur la croix. Il le donne ici, à ses amis, en ce jour du Seigneur. Et il ne peut refuser ce don à celles et ceux qui le lui demandent. Raison de plus pour appeler sur nous tous aujourd'hui, une Pentecôte sur notre Église diocésaine. Cinquièmement, le Seigneur nous fait le cadeau de son pardon, ou plutôt l'immense don, l'immense confiance qu'il nous fait à nous tous, pauvres pécheurs, d'être témoins de sa miséricorde infinie, celle-là même qui jaillit du cœur du Christ transpercé, comme des flots débordants, comme un fleuve d'eau vive qui irrigue l'Église et le monde depuis 2000 ans. Sixièmement, le Seigneur nous fait le cadeau de la foi. Et saint Thomas s'écrit « Mon Seigneur et mon Dieu, puissions-nous nous aussi aujourd'hui renouveler et proclamer notre foi, celle de toute l'Église rassemblée. » Enfin, septièmement, le Seigneur nous fait cadeau d'une béatitude dans cet évangile. Il dit « Heureux, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux sommes-nous, nous aussi, aujourd'hui, d'accueillir tous ces cadeaux, tous ces dons que le Seigneur nous fait dans la foi. Il les fait pour nous comme il les a fait hier à son Église et comme il continuera de les faire demain. Toujours, Christ ressuscité. Alléluia. Amen.